Est-ce qu'on peut acclamer véritablement le Seigneur? Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Opérée pendant neuf fois au même endroit. Et elle était programmée pour être encore opérée. On lui a dit, tu ne seras plus opéré. Jésus va te délivrer. Jésus va te guérir. Et le démon a été chassé. Et la puissance de Dieu se manifestait dans la guérison. Comment ne pas acclamer ce Dieu? Ne sois pas ingrat, ne sois pas ingrat. Nous demandons des choses à Dieu. Quand Dieu nous donne, nous sommes incapables de lui dire merci. Alléluia. Lève-toi là où tu es, lève-toi. J'aimerais que nous puissions célébrer le Seigneur. Lève-toi, lève tes mains vers Dieu. Je dis, levons-nous tous, s'il vous plaît. Shandarabarabaraba, shandarabarabaraba. Dabarabarabaraba, shandarabarabarabaraba. Ribereberebo, shandarabaraba. Dabarabarabarabo, shandarabarabo. Shandarabarabo, shandarabarabo, shandarabarabo. Bénissons son nom, nous élevons ton nom plus haut. Nous élevons ton nom, nous élevons ton nom plus haut. C'est une prière où nous voulons élever le nom du Seigneur, le nom de celui qui guérit, le nom de celui qui délivre. Non, ce n'est pas un homme. Non, la gloire n'est pas un homme. L'honneur n'est pas un homme. Mais il y a Jésus de Nazareth. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé, mon Seigneur et mon Dieu. Élevons ton nom. Est-ce que tu peux le célébrer encore? Oh oui! Nous élevons ton nom! Oh, ça y est! Oh, ça qui est là! Nous élevons! Nous élevons ton nom! Alléluia! Oh oui! Nous élevons ton nom! Nous élevons ton nom! De la main de Dieu, plus de la restauration, plus de la démonstration de la puissance de Dieu. Oh oui, nous élevons. Nous élevons. Nous élevons. Nous élevons. Nous élevons ton nom. We thank you. Oui, nous élevons ton nom.
Alléluia.
Mieux que ça. Alléluia. Andarabashama. Merveilleux Jésus. Une bannière dans le ciel. Alléluia. Merveilleux Jésus. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Je vous prie de prendre place. Bonjour à tous. Tu peux m'aider à saluer ton frère de gauche et de droite pour moi. Dis-lui, tu es au bon endroit et au bon moment. Est-ce que tu peux lui dire, tu es au bon endroit et au bon moment? Saluons la présence du serviteur de Dieu Bodom, qui nous viendra du Congo. Que Dieu te bénisse. Welcome back. Je ne sais pas, mais j'ai envie de dire, tu vas venir t'installer ici avec ta famille. Que le nom du Seigneur soit glorifié. Ce matin, Dieu a changé mon programme. J'ai voulu continuer sur le message que nous avions commencé sur l'intelligence des visions de Dieu le dimanche dernier. Un message qui, pour ceux qui n'étaient pas là, vraiment, il faut le suivre, il faut le partager. J'ai reçu énormément de retours concernant ce message. Et ça booste et révolutionne. Et nous voulons continuer. Mais ce matin, pendant que je priais, du moins la nuit, toute la nuit, je suis resté en prière. Malgré la fatigue, l'Esprit de Dieu m'a conduit à donner un message d'encouragement. Je ne sais pas pourquoi, mais forcément quelqu'un passe par une situation difficile aujourd'hui. Mais le Seigneur ne t'a pas oublié. Le Seigneur te connaît, le Seigneur a un plan pour toi. Et nous saluons également toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux sociaux, les médias. Que Dieu vous bénisse, vous êtes nombreux à participer au culte chaque dimanche. Nous voulons prendre nos Bibles dans le livre de Zacharie. Zacharie, au chapitre 4. Zacharie, chapitre 4. Nous lirons à partir du premier verset jusqu'au verset 10. Je nous demanderai encore de nous tenir debout pour honorer la parole de Dieu. Zacharie, chapitre 4, le verset 1er. Au verset 10. Et l'ange qui me parlait revint, et il me réveilla comme un homme que l'on réveille du sommeil. Et il me dit, que vois-tu? Et je dis, je regarde, et voici un chandelier, il y a un chandelier tout en or, surmonté d'un vase, et portant sept lampes et sept conduits pour les lampes qui sont au sommet du chandelier. Et il y a près de lui deux oliviers, l'un à droite du vase et l'autre à sa gauche. Et reprenant la parole, je dis à l'ange qui me parlait, que signifient ces choses, mon Seigneur? Et l'ange qui me parlait répondit, ne sais-tu pas ce que signifient ces choses? Je dis, non, mon Seigneur. Alors il reprit et me dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ce n'est ni par la force, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel, tu seras aplani. Et il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Les mains de Zorobabel ont fondé cette maison et ses mains l'acheveront. Et tu sauras
que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. Car ces sont les yeux de l'Éternel qui parcourent toute la terre. Parole de l'Éternel. Amen. Merci de prendre place. Le thème de notre prédication ce matin s'intitule « Qui es-tu, grande montagne ?» Regarde ton voisin, pose-lui la question « Qui es-tu, grande montagne ?» Ouh là là, c'est trop faible. Regarde ton voisin, dis-lui à haute voix « Qui es-tu, grande montagne ?» Regarde vers l'autre voisin, dis-lui « Qui es-tu, grande montagne ?» Devant moi. Devant ma vie, tu seras aplani, tu seras écrasé, tu seras broyé. Nous sommes ici dans un contexte où les enfants d'Israël avaient connu des moments difficiles après avoir désobéi à l'ordre de Dieu, à la parole de Dieu, au commandement de Dieu. Ils vont se retrouver dans la captivité à Babylone. Car voyez-vous, avant la captivité, Dieu avait suscité un de ses serviteurs, le prophète Jérémie, et qui est venu et qui a apporté un message pour ramener le peuple à Dieu. Ce peuple qui s'est livré dans des espérances trompeuses. Pourquoi? Parce que vivant un temps de grâce, un temps de faveur, un temps de prospérité, le peuple de Juda, le peuple d'Israël, a commencé à abandonner l'Éternel son Dieu. Il est dit dans Jérémie chapitre 2, à partir du verset 11 jusqu'au verset 13, « Y a-t-il une nation qui change de Dieu? Voici, mon peuple a changé de Dieu pour un Dieu qui n'a point ou qui n'existe point. » Et Dieu lui dit, il dira à Jérémie pour parler au peuple de Dieu, il dira « Ce peuple m'a abandonné, moi qui suis la source d'eau vive, pour se creuser de citernes crevassées qui ne retiennent pas l'eau. » Voyez-vous, le peuple avait abandonné Dieu, oublié Dieu, et voici comment le bonheur a commencé à s'éloigner de ce peuple progressivement, mais sans qu'ils s'en rendent compte. Et Dieu a envoyé ses prophètes, ses serviteurs, pour annoncer un message clair à son peuple, pour qu'il revienne, qu'il retourne à Dieu. Mais beaucoup vont fermer l'oreille pour ne pas écouter la voix des prophètes, pour ne pas écouter la parole de Dieu. Ainsi, Jérémie va être utilisé par Dieu pour annoncer le jugement de Dieu qui devait tomber sur toute la nation. Et voyez-vous, c'est ce qui s'est passé. Si vous lisez dans Jérémie chapitre 25, on nous dit que le peuple va être livré en captivité. Dieu dira, ce peuple ira en captivité à Babylone et cette captivité allait durer 70 ans. Et cette parole s'est littéralement accomplie. Où le roi de Babylone, Nebuchadnezzar, est venu et a détruit le temple, a détruit les murailles, a brisé tout ce qui était de plus précieux en Israël, plus précisément en Juda, à Jérusalem. Les murailles de Jérusalem, la grande ville, la ville du grand roi, ont été brisées. Le temple a été pillé, dévalisé. Il n'y avait plus rien. La gloire était bannie d'Israël. On pouvait dire Ichabod parce qu'il n'y avait plus de gloire. Pourquoi? Elle était partie à cause de la rébellion, à cause de la désobéissance de ce peuple. Mais Dieu avait donné une durée bien précise. Dieu avait donné un terme à ce jugement. Dieu avait dit cette captivité allait durer 70 ans. Et au terme de ces 70 ans, le peuple retournerait dans son pays. Et voici comment ils vont partir. Nebuchadnezzar va prendre les hommes les plus influents de Juda et va les emmener en captivité. Et parmi eux, il y avait Daniel. Parmi eux, il y avait aussi le prophète Ézéchiel et tant d'autres dignitaires, des princes. Ils sont partis. Et au terme de 70 ans, la prophétie va s'accomplir. Il était question de retourner maintenant dans le pays pour rebâtir, pour construire, pour continuer le travail de Dieu. J'aimerais dire à une personne, le travail que Dieu a commencé dans ta vie, quoi qu'il arrive, Dieu va l'achever. Dieu va finir son œuvre, même si tu as connu des moments de désobéissance, même si tu as connu des moments de difficulté où tu as abandonné Dieu, sache que tu peux retourner à Dieu et Dieu va continuer son processus. Dieu ne t'abandonne pas. Et je parle à une personne ce matin qui a l'impression que Dieu l'a abandonné, qui a l'impression que Dieu n'est plus. J'aimerais te dire de la part de Dieu, Dieu est encore là. Et
Daniel va prier, il va tomber sur les écrits de Jérémie et va rentrer dans le jeûne, dans la prière. On connaît cette histoire de Daniel 9, Daniel 10, il jeûne, il prie. Et de ce moment de prière va sortir, Dieu va déclencher un mouvement spirituel selon lequel il va y avoir un roi qui va remplacer Babylone, c'est-à-dire le roi de Perse et de Mède, Cyrus, qui va venir avec l'idée, le fardeau de pousser les enfants d'Israël à retourner dans leur pays pour reconstruire tout ce qui a été brisé. J'aimerais dire à quelqu'un, même si des choses ont été ruinées dans ta vie, même si des choses ont été difficiles, Dieu prendra les mêmes ruines pour rebâtir. Il va reprendre les mêmes ruines, les mêmes choses qui se sont cassées, brisées. Dieu va les reprendre pour rebâtir quelque chose de nouveau. Tu connaîtras un nouveau départ. Tu connaîtras un nouvel élan. Tu connaîtras quelque chose de nouveau avec Dieu. Dieu reprendra les mêmes ruines. Parce que des fois, quand on passe par des situations où on a l'impression qu'on a tout perdu, tout est cassé, tout est broke, on a l'impression que c'est fini, il n'y a plus rien. Lorsque les hommes disent que c'est fini, Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Il va encore faire quelque chose et quelque chose de nouveau, de grand et de glorieux dans ta vie. Et c'est ce qui s'est passé. Dieu va susciter des personnes, entre autres Néhémie, qui aura lui le fardeau de reconstruire les murailles de Jérusalem. Et il va y avoir Esdras et Zorobabel qui vont eux avoir le fardeau de reconstruire plutôt le temple qui était autrefois détruit, cassé, brisé. Et c'est ce qui s'est passé. Quand vous lisez dans le livre d'Esdras, nous voyons la première expédition. Parmi ceux qui sont partis, premièrement, qui ont quitté Babylone, qui était devenu le royaume de Perse et de Mèdes, pour aller jusqu'à Jérusalem pour rebâtir, reconstruire la maison de Dieu, le premier leader était Zorobabel. Zorobabel était un gouverneur, Zorobabel était un leader, un chef. Zorobabel était une personne courageuse, Zorobabel était un homme qui avait un défi à relever. Zorobabel était une personne qui ne regarde pas aux situations avec ses yeux physiques, mais qui regarde avec les yeux spirituels, qui sait que du néant Dieu peut sortir quelque chose. Ça c'est Zorobabel, il est parti. Je voudrais te dire, même si les choses ont été cassées, détruites, tu peux être l'agent de la réparation. Dieu te choisit comme un agent réparateur de choses qui ont été autrefois cassées. Tu es le rébâtisseur sur des ruines. Tu es le rébâtisseur de la maison de Dieu. Tu vas rébâtir les projets. Même si tes projets ont été enterrés, hier tu n'as pas pu réussir, aujourd'hui je voudrais te dire, c'est un jour nouveau. Aujourd'hui, c'est un jour nouveau. Tu vas les reprendre, ces projets, et tu vas les achever. Je n'entends pas ton amen. Car il y a des gens qui ont commencé des études, ils ont abandonné. Il y a des gens qui ont commencé des projets, projets d'entreprise. Ils s'est rendu compte que c'est difficile, ils l'abandonnent. Mais aujourd'hui, tu vas reprendre tes projets. Je disais à quelqu'un, aujourd'hui, tu vas reprendre. Aujourd'hui, tu dois rentrer dans la vision de Dieu. Tu vas rentrer dans le plan de Dieu comme Zorobabel. Zorobabel a dit, je suis choisi de Dieu. N'est-ce pas que vous êtes choisi de Dieu? Jésus a dit, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Je vous ai envoyé afin que vous alliez et que vous portiez de fruits et que votre fruit demeure. Tu es le choix de Dieu, ma soeur. Mon frère, tu es le choix de Dieu pour marquer la différence dans cette génération. Tu es le choix de Dieu pour faire quelque chose que personne n'a jamais fait jusqu'à présent. Tu es le choix de Dieu. Ne regarde pas ta taille, ne regarde pas ton sexe, ne regarde pas ton rang social, ne regarde pas tes capacités, ne regarde pas tes moyens, ne regarde pas tes talents, ne regarde pas tes aptitudes, mais regarde à Dieu qui est capable de faire quelque chose de nouveau dans ta vie. Zorobabel s'est levé et il a pris la direction. Il est parti. Alors que tout était broke, cassé, mort. Oh, j'aime Dieu parce que là où il y a la mort, même la mort pour Dieu, ce n'est pas un problème. La mort est un problème pour nous qui n'avons pas, pour les gens qui n'ont pas Dieu. Mais pour nous qui avons Jésus, pour nous qui avons Dieu, nous savons que la mort n'est plus un problème parce que Jésus dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra même s'il meurt. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais, dit le Seigneur de gloire. Et voyez-vous un peu, il part, il constate,
le nombre de personnes qui l'ont accompagné, selon les historiens, ils étaient au nombre environ de 50 000 personnes. 50 000 personnes par rapport au nombre des exilés, c'était une faible poignée. Parce que beaucoup étaient dispersés dans le royaume. Il n'y avait que 50 000 qui avaient le cœur de Dieu. Laisse-moi te dire, tu n'avanceras pas avec tout le monde. Mais Dieu mettra une poignée de personnes à tes côtés qui vont t'aider à avancer. Laisse-moi te dire, pendant que tu penses que tu es seul, tu n'es pas seul. Dieu mettra toujours quelqu'un qui va te comprendre. Quelqu'un qui va t'épauler. Quelqu'un qui va t'aider. Quelqu'un qui va te relever de la terre jusque dans la dimension où Dieu t'attend. 50 000, ils n'étaient pas nombreux. Ils partent et ils commencent à reconstruire. Et Daniel, plutôt Zorobabel, était leur chef, leur leader. Il était fils de Shealtiel. Il commence à bâtir, il commence à travailler. Et voici comment l'ennemi va se lever pour commencer à s'opposer. Écoutez-moi très bien. Tout ce que vous faites qui vient de Dieu est toujours soumis à des oppositions. Il y a des gens qui n'aiment pas l'opposition, qui pensent que quand Dieu leur parle, tout sera facile. C'est faux. Dieu m'a parlé ceci, Dieu m'a dit ça, Dieu m'a dit ça. Alors tu t'attends que quand tu commences, tout le monde t'acclame, tout le monde t'élève, tout le monde te célèbre. Non, tu auras des oppositions. Une chose qui est opposée, un projet qui est opposé, qui subit l'opposition, c'est un signe que c'est un projet qui vient de Dieu. Parce que Dieu a un ennemi juré qui s'appelle Satan. Et Satan ne te laissera pas faire l'œuvre de Dieu facilement. Toi qui sens un appel, toi qui sens un ministère, mais tu as toujours des choses qui t'empêchent, tu as toujours des blocages. Sache que c'est une opposition sur le plan spirituel pour t'empêcher d'accomplir la vision de Dieu. Dieu t'a donné un appel, Dieu t'a donné des dons, des talents, Dieu t'a donné des capacités. Qu'est-ce que tu en fais? Tu sens en toi que tu veux avancer, mais des choses qui te retiennent au opposition. Et beaucoup cèdent à l'opposition. Ah non, je suis fatigué. Ah non, je ne vais pas y arriver. Ah non, j'ai peur de commencer et ne pas arriver. Mon frère, ma soeur, ceux qui arrivent commencent un jour. J'ai peur de commencer l'entreprise, sinon je vais fermer comme tout le monde. Je vais faire le dépôt de bilan. Frères et sœurs, ce n'est pas toutes les entreprises qui font le dépôt de bilan. Quelqu'un ne m'a pas compris. Donc, qui te dit que tu es tout le monde? Ma soeur, enlève de ta tête la vision, la mentalité que c'est tout le monde, c'est comme ça. Toi, tu ne t'appelles pas tout le monde. Moi, je m'appelle Douglas. En France, tout le monde ne s'appelle pas Douglas. Il y a des Jérémy, il y a Albert, il y a Juju, il y a Junior, il y a tout le monde. Il y a Trésor, il y a tout le monde. Tu as un nom particulier. Alors pourquoi es-tu là seulement pour voir le négatif? Enlève de ta tête la négativité. Enlève de ta tête le fait d'être pessimiste. Il y a des gens, ils n'ont rien encore entrepris, mais ils sont déjà négatifs. Ça, ce n'est pas la vision du royaume. La vision du royaume est celle-ci. La Bible dit ceci. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Mais nous sommes de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. La foi se démontre par le fait d'avancer. C'est-à-dire, même quand je tremble, mais j'avance quand même. Oh, non, non, tu peux trembler. Il peut y avoir des situations où tu te poses des questions. Est-ce que ça va marcher? Moi, il y a des choses, des fois, je dis, est-ce que ça va marcher? Mais je suis un fou de Jésus. Et dis, ah, ceux qui les ont, qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi? En plus, moi, j'ai quelque chose qu'ils n'ont pas. J'ai Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je disais, moi, j'ai Dieu. Zorobabel se lève et commence à bâtir. Si vous lisez dans le livre d'Esdras, au chapitre 4 et au chapitre 5, la Bible nous parle des oppositions. Il y a eu des Samaritains qui se sont levés pour s'opposer à eux. Et la conséquence était quoi? Ils ont arrêté de continuer le travail. Frère, il y a des situations qui peuvent t'arrêter dans ton élan. Il y a des gens qui peuvent venir avec leurs conseils. C'est pourquoi n'écoutez pas tout conseil.
Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Tous les conseils ne sont pas de Dieu. Écoute le Saint-Esprit qui est le meilleur conseiller. Le Saint-Esprit, c'est l'esprit de conseil, l'esprit d'intelligence et de sagesse. Celui qui peut te donner les bons conseils. Quand tout le monde dit là-bas, ah, il ne faut pas oser, toi ose. Mais tu peux aussi être le premier dans quelque chose. Pourquoi toujours être le deuxième, faire comme tout le monde? Je te déclare aujourd'hui, tu vas initier des choses. Oh, je disais à quelqu'un, tu vas commencer des choses. Tu vas initier ce que tes parents n'ont pas fait, ce que tes amis n'ont pas fait, ce que ton entourage n'a pas fait. Tu vas être le premier. Oh, je disais à quelqu'un, tu seras le premier, tu seras la première à commencer. Et quand tu vas commencer, ça va marcher. Oh, oh, j'ai l'impression que tu doutes encore. Je suis en train de dire à quelqu'un, ça va. Et là, ton voisin dit, ça va marcher. Oh, oh. Non, non, dis-lui avec assurance, ça va marcher. Je suis venu te le confirmer de la part de Dieu, ça va. Ça va. Ça va marcher. De toute façon, même si c'est boiteux, moi je connais un nom qui fait marcher les choses. Pierre a dit ceci, écoutez, je n'ai ni or, je n'ai ni argent, mais ce n'est pas l'argent qui fait marcher les choses, ce n'est pas l'or qui fait marcher les choses, mais ce que j'ai, oh je disais à quelqu'un, comment, ce que j'ai, oh je dis ce que j'ai, Jésus qui vit en moi, ah je te le donne, ah au nom de Jésus, ah boiteux, lève-toi et marche. Ce qui ne marchait pas va commencer à marcher. Je le déclare dans ta vie, que tu le veuilles ou pas, tes études vont marcher, tes projets vont marcher, ton ministère va marcher, tu ne chercheras pas. Je le déclare dans ta vie. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris ce matin. Je disais, aucune montagne ne va t'empêcher, aucun homme ne va t'arrêter. Ça va marcher. Quand j'ai rencontré ma soeur la première fois, je suis fatigué, beaucoup d'opérations. Je disais, c'est la dernière opération. Elle a douté, on a prié. Ça marche. Oh, j'aimerais te dire, ça va. Ça va. Ça va marcher. Ça va marcher. Quand tu sors d'ici, ne sors pas avec des slogans. Commence. Essaye. Marque le pas. Même en tremblant. J'imagine quand Pierre devait marcher sur l'eau, il ne savait pas que l'eau allait changer. Mais le problème, c'est qu'il a osé. Quand tu oses, c'est là que tu vas te rendre compte. Mais oui, c'est vrai, je peux marcher. Non, je disais à quelqu'un, oui, je peux marcher. L'eau est devenue du béton. L'eau devenue du béton. Ça va marcher. Sors au Babel. Zorobabel. Mon frère, ça va marcher. Ça va marcher. Tout à l'heure, je vais prier pour toi. Il y a un grand appel de Dieu dans ta vie. Mais en même temps, l'ennemi veut et est en train de faire un travail pour vouloir te ralentir, te freiner. Depuis janvier, tu devais entrer dans une nouvelle phase. Tu m'entends? Depuis janvier. Et Dieu t'attend. Il t'attend. Et voyez-vous, il commence. Mais la pression était telle que ils ont abandonné. Peut-être que tu as subi une pression hier qui t'a fait abandonner quelque chose. Qui t'a dit, bon, mettons ça un peu dans le tiroir. On va reprendre le dossier à la fin de l'année. Mais comment tu dis la fin de l'année alors qu'on a décrété une année de la conquête? Pourquoi remettre au lendemain ce que tu peux faire aujourd'hui? Pourquoi pratiquer la procrastination? Les gens qui remettent toujours demain. Demain, ça ira mieux. Non, demain, c'est demain. Mais today is today. Aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Quand l'Esprit du Seigneur était sur Jésus, il a proclamé des choses et Jésus dira, aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Donc, ce n'est pas seulement demain. Je parle aujourd'hui. Oh, je ne sais pas pour toi, mais pour moi, aujourd'hui. 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 Amen. Amen. Et ils ont arrêté. Et c'est pendant ce temps où ils étaient affaiblis, embarrassés, comme dans la confusion, comme perdus, pour savoir quelle décision prendre. Des fois, on est là, on ne sait pas quelle prédécision prendre. Où aller? Quel choix faire pour mes études, pour mes projets, pour mon ministère? Mais comment je peux? Des fois, on est là comme perturbé. Et Dieu envoie maintenant Zacharie
il a envoyé deux prophètes, Agé et Zacharie. Zacharie vient avec l'intelligence des visions. Dis à ton ami, tu as besoin des prophètes. Et j'aimerais te dire, ici, je suis ton prophète. Ok, tu n'as pas encore bien compris. Je suis venu te dire, je suis ton prophète. Dieu m'a établi ton prophète. C'est-à-dire, si tu regardes à mon apparence, tu vas passer à côté. Mais regarde à l'intérieur. Paul dit, nous paraissons pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Si tu regardes mon apparence, tu vas me mépriser. Mais si tu remarques à ce que Dieu dit, quand tu sors d'ici, ta vie change. Je vais donner un petit témoignage. Quelqu'un de ma famille a connu des moments très difficiles depuis un certain temps. Et Dieu m'avait envoyé il y a quelques années. À chaque fois j'allais, je lui amenais des vêtements. Elle était en Afrique. Je lui amenais des vêtements, je lui donnais l'argent, je le soutenais. J'allais chez lui, j'ai déclaré des choses, la parole de Dieu, des prophéties. Et pendant que je déclarais ces choses, il n'y avait aucune, je dirais, aucune lueur d'espoir pour le lendemain. Quand vous regardez sa situation et la parole qui sort, il faut vraiment être prophète pour dire ces choses. Et aujourd'hui, je vous parle. Toutes ces choses se sont accomplies. Et la personne, hier, on m'a pris, elle me dit, la personne aime tellement être avec toi. Elle aime tellement que tu... Elle dit, je vais continuer à bénir cet homme parce qu'il faut qu'il continue à prophétiser. Bon, j'ai l'impression que tu n'as pas bien saisi. Il dit, je dois me connecter à cette personne parce que cette connexion m'a sorti de l'eau des bars à la maison royale. Cette connexion m'a sorti de la poussière à l'élévation. J'aimerais dire à quelqu'un, écoute la voix des prophètes. Un prophète a la vision de Dieu. Un prophète se prosterne devant Dieu. Un prophète écoute Dieu. Un prophète peut annoncer la pluie alors qu'il y a la sécheresse. Un prophète peut parler de ton futur dans 10 ans, 15 ans. Un prophète peut annoncer des choses qui arriveront. J'aimerais te dire ce matin, je viens en tant que prophète, comme Zacharie, pour dire, Zorobabel, tu n'as pas encore fini. Zorobabel, ce n'est pas encore trop tard. Il y a une lueur d'espoir. Il y a une porte de secours. Il y a une porte qui est ouverte devant toi. Je dis à quelqu'un, il y a une porte qui est là devant toi, qui est ouverte. Il y a une porte. Tu entreras par cette porte. Tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais dire à une personne ce matin, de la part de Dieu, il y a une porte. Il y a un espoir. Il y a un espoir. Zacharie se lève. Zacharie a eu 8 visions sur Israël. Et le verset que nous venons de lire, c'est la 5e vision. Et toutes les visions se sont accomplies. Frère, écoutez très bien. L'intelligence de vision changera vos choses, changera les choses dans votre vie. Zacharie vient et il commence à prophétiser. Il prophétise. Dieu lui dit, que vois-tu? Il dit ce qu'il voit. Dieu lui dit maintenant, va dire à Zorobabel. Va dire à Zorobabel, ce n'est ni par la force. Et j'aimerais dire aujourd'hui, Zorobabel, c'est toi. Aujourd'hui, Zorobabel, c'est toi. Et Dieu me dit, me mandat de te dire, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, ce n'est pas par cette puissance militaire de l'armée ainsi que de tes ennemis qui t'ont arrêté, à cause de cette puissance, tu ne vas pas continuer. Dieu dit non, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par la puissance, c'est par mon esprit. La force des enfants de Dieu, c'est le Saint-Esprit. J'aimerais te dire, tu peux tout perdre dans la vie, ne perds jamais la présence de Dieu, ne perds jamais le Saint-Esprit. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Tu peux tout perdre dans ce monde, la présence de Dieu te donnera tout. J'aimerais dire à une personne, Joseph avait tout perdu, même la tunique de son père, on l'avait arrachée, mais ils n'ont pas pris le Saint-Esprit dans la vie de Joseph. Le Saint-Esprit va rallumer des choses en toi. Le Saint-Esprit te donnera ce qu'aucun homme n'a donné. Le Saint-Esprit, il dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'étais en train de dire, Seigneur, le projet est grand, comment allons-nous y arriver? Seigneur, c'est trop compliqué, la situation est complexe. Dieu m'a dit, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'agites-tu? Ce n'est pas par la force monétaire, ce n'est pas par la puissance de la banque, ce n'est pas par la force des hommes, c'est par mon esprit. Ce que ma bouche déclare, ma main l'accomplira. Dieu m'a dit, tu verras ces choses de tes yeux. Et j'aimerais dire à quelqu'un, tu vas les voir de tes yeux, parce que Dieu l'a déclaré.
déclarer, j'aimerais annoncer à une personne ce matin que par le Saint-Esprit, les choses vont devenir naturelles, visibles. Tu vas les toucher, tu vas les palper, tu vas, je dis à quelqu'un, tu vas les toucher. Hier, il y avait des choses que tu n'avais pas. Avec le Saint-Esprit, tu as touché. S'il l'a fait aujourd'hui, sache qu'il le fera encore demain parce qu'il n'a pas changé. J'aimerais dire à quelqu'un, il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Hier, tu étais célibataire, aujourd'hui, tu es marié. Hier, tu n'avais pas de papier, aujourd'hui, tu as des papiers. Hier, tu manquais un toit, aujourd'hui, tu as un toit. Hier, tu manquais un travail, aujourd'hui, tu as un travail. Le même Dieu qui t'a donné aujourd'hui, il n'a pas encore fini. Ses réserves ne sont pas illimitées. Il te donnera encore. Oh, est-ce que je peux parler à quelqu'un? Ses réserves sont illimitées. Alors que Zorobabel doutait encore, malgré qu'on lui a dit le Saint-Esprit est capable de faire les choses, not by power, not by might, but by my spirit, says the Lord. Il doutait encore. Et Dieu envoie encore son serviteur, le prophète, pour dire à Zorobabel, par Zacharie, dis à Zacharie, qui es-tu cette montagne? Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Une montagne, comme vous savez, vous connaissez la montagne physique, montagne de Sinaï, Horeb, Kilimanjaro, la montagne des Oliviers, c'est tout ce qui se tient devant toi, avec une telle hauteur, une dimension élevée. Quand tu regardes la montagne, tu dis, non, je n'y arriverai pas. Et dans la Bible, j'ai relevé trois choses majeures qui caractérisent la montagne. La première des choses, ce sont les difficultés. Vous avez ça dans le psaume 121, verset 1 à 3. Psaume 121, verset 1 à 3. David dit, ce cantique de David, il dit, je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Quand vous avez des montagnes devant vous, vous n'allez pas voir l'issue. Vous n'allez pas voir de secours. La montagne, c'est cette difficulté qui est devant toi. On te dit que tu n'as pas de papier. On te dit que ta situation est régulière, ta situation administrative est irrégulière. On t'a donné même un nom de quitter le territoire. Cette montagne, c'est cette maladie que tu as depuis, où le médecin dit que c'est une maladie incurable. Personne ne peut guérir cette maladie. C'est une montagne devant toi. La montagne peut symboliser le célibat dans lequel tu peux te retrouver. Seigneur, jusqu'à quand personne ne me voit? Je suis toujours célibataire année après année. La montagne, c'est le chemin dans lequel tu peux te retrouver. Tu cherches, mais tu ne trouves pas. Alors que tu as des diplômes, des qualifications, ce dont tu as besoin, tu n'arrives pas à l'avoir. La montagne, c'est cette disette. La montagne, c'est ce problème. La montagne, c'est cette difficulté insurmontable. Et tout le monde autour de toi te dit non, tu n'y arriveras jamais. Parce que personne n'y arrive dans cette situation. Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? La Bible déclare ceci, le secours de l'homme n'est que vanité, mais avec Dieu, nous ferons des exploits et il écrasera nos ennemis. La montagne devant toi est un ennemi, la montagne devant toi est une situation, alléluia, que tu n'arrives pas à surmonter. Mais laisse-moi te dire, elle est montagne pour l'homme, mais elle n'est pas montagne pour Dieu. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. C'est une montagne dans le langage humain, mais ce n'est pas une montagne dans le langage divin. Dans le langage des hommes, c'est impossible. Mais dans le langage de Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Dans le langage humain, tu n'y arriveras jamais. Mais dans le langage de Dieu, tout est possible à celui qui croit. Dans le langage des hommes, c'est trop tard. Mais dans le langage de Dieu, il dit roulez la pierre parce que Lazare doit sortir. Dans le langage des hommes, tu ne peut pas y arriver, mais de langage de Dieu, c'est possible. Je suis venu dire à une personne ce matin, c'est possible. Peu importe ta situation, peu importe ta montagne, je ne la connais pas. Je ne connais pas ta situation, mais le Saint-Esprit la connaît. On dit que tu ne peux pas avoir d'enfant. On dit que tu es stérile. On dit que tu es ceci. On déclare de choses dans ta vie. Écoute-moi, mon frère, ma soeur. N'écoute pas la voix des médecins, car les médecins sont des hommes. Les médecins sont des montagnes.
Je lève mes yeux vers les montagnes. D'où me viendra le secours? 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 Mais j'aime la réponse. Il dit, le secours me vient de celui qui a fait le ciel et la terre. Laisse-moi te dire, parce qu'il est au-dessus, sa montagne est au-dessus de toutes les montagnes. La montagne de la présence de Dieu, c'est une montagne où il y a la solution à tous les problèmes. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani. Si tu le crois, dis amen. Si tu le crois, dis amen très fort. Sharaba, sharaba, shinderebe. Deuxième montagne, c'est les démons. Matthieu chapitre 17, le verset 20. Quand Jésus descend de la montagne de la transfiguration, il retrouve des gens, ses disciples, qui n'arrivaient pas à chasser les démons. Il dira à ces incrédules, jusqu'à quand je serai avec vous? Il dit, cette sorte de démons ne sort pas que par le jeûne et par la prière. Il y a des forces démoniaques qui s'opposent. Mon frère, ma soeur, il y a des montagnes qui sont spirituelles. Il y a des montagnes, ça peut être des liens spirituels dans ta famille. Où on a dit, dans cette famille, on ne se marie pas, on ne se marie jamais. Tu es là, malgré ta beauté, tu n'arrives pas à te marier. Tu as une instabilité, une montagne dans la famille. Une montagne selon laquelle on a dit dans cette famille, peu importe votre intelligence, vous ne l'avez jamais percé sur le plan financier, matériel. Il y avait cette montagne dans ma famille. Je dis au passé parce que c'est au passé. Elle est tombée dans ma vie. Alléluia. Alléluia. La montagne spirituelle, les démons, les liens spirituels, les œuvres démoniaques. Paul dit dans 2 Corinthiens chapitre 10 verset 3, il dit, si nous marchons selon la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont spirituelles par la vertu de l'esprit. Et avec ces armes, nous renversons les forteresses, les autorités, les dignités. Nous les renversons. Les montagnes, ce sont les forteresses de la tradition, de la religion. Les montagnes, ce sont les hauteurs des idéologies. Car il y a des personnes qui sont convaincues qu'ils ne peuvent jamais aller plus loin que leurs parents. C'est une idéologie ancrée en toi. Dans la francophonie, il y a des idéologies où lorsqu'on veut aller au-delà, on dit non, ce n'est pas possible. Frères, sœurs, ce sont des idéologies, des montagnes qui se dressent devant toi. Qui t'a dit que tu ne peux pas devenir millionnaire? Qui t'a dit que tu ne peux pas avoir un ministère qui a un impact mondial? Qui t'a dit ça? Je dis à Dieu, de la même manière Jean-Baptiste était dans le désert. Il a eu l'impact dans son ministère. Il n'avait pas de médias. Les gens quittaient les campements les plus reculés. Il venait là où il était à cause de l'onction de Dieu. De la même manière, à partir de Villeneuve-le-Roi, il doit avoir un impact mondial. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. J'ai dit à partir d'ici, un impact international. Parce que ce n'est ni par la force, ni par la puissance. C'est par l'esprit. Qu'est-ce qui est impossible à Dieu? Rien. Voici ces montagnes, les idéologies, les forteresses bien bâties dans nos esprits. On n'arrive pas à s'en défaire parce qu'on est né dans cet environnement, un environnement où tout est limité. Quand vous êtes en France, Dieu m'a fait la grâce de voyager un peu. J'ai déjà fait tous les continents du monde entier par sa grâce. Je vous dirai ici, les gens sont beaucoup limités. Allez ailleurs, vous allez voir les gens en esprit ouvert. Les gens se disent tout est possible. Vous allez en Amérique, c'est le monde de la possibilité. Everything is possible. Tout est possible. Yes, you can do it. Oui, tu peux le faire. Mais ici, tu as déjà un état d'esprit qui dit non. Ça, c'est pas pour moi. Qui t'a dit que c'est pas pour toi? Regarde ton voisin, dis-lui, qui t'a dit que ce n'est pas pour toi? Alors, regarde-toi vers l'autre. Dis-lui, qui t'a dit que ce n'est pas pour toi? Ah, pasteur, tu vois, moi, je ne peux jamais avoir une maîtrise, un master. Qui t'a dit ça? Moi, je ne peux pas avoir un doctorat. Qui t'a dit ça? Moi-même, je me disais ça, je ne peux pas y avoir. Mais quand j'ai compris la science du progrès. J'ai compris que c'est possible. J'ai dit, je me réinscris. Je me suis réinscrit. Et là, dans quelques mois, je finis déjà mon bachelor. Et je continue avec un master. Après, je continue avec un doctorat, un PhD. Je mérite de dire, c'est possible. Avec moi, dire à ton voisin, c'est possible. C'est possible.
Je vois des jeunes de 35 ans qui disent non, moi je n'ai plus l'âge d'aller à l'école. Oh! Même à 60 ans, tu peux aller à l'école. J'encourage nos mamans. Maman, papa, retournez. Non, non, touche-le comme ça, dit, retourne, retourne un peu. De toute façon, tu n'as pas le choix. Ton pasteur est retourné. Toi aussi, tu dois retourner. Non, 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 dis-lui, touche-le comme ça, dis-lui, retourne, retourne à l'école, retourne. Alléluia, alléluia. Et quand vous allez voir les gens prêcher, vous n'allez pas dire non, ce ne sont pas des gens qui perdent leur temps. Ce ne sont pas des gens qui ne savent pas où ils vont. Ce ne sont pas des pauvres gens. Ils sont très intelligents et très intellectuels et très spirituels, remplis d'onction, de guérison, de miracles, de délivrance. Au Ramazembre, où les paralytiques voient les boiteux marchent. Ce n'est pas un dis. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, tu dois révolutionner ces choses. Les démons de la France vont te dire non, c'est trop tard. Je te dis, ce n'est pas trop tard. Même si tu retournes au banc de l'école avec des enfants de 18 ans, ce n'est pas grave. Ton problème, ce n'est pas les enfants à côté. Ton problème, c'est le diplôme. Et ton problème, c'est la qualification. C'est ton problème, c'est que tu arrives à un niveau où tu vas influencer les gens de cette dimension. Ici, il n'y a personne à l'Élysée. Qui peut apporter l'évangile d'ici à l'Élysée? Et je prophétise, quelqu'un va aller à l'Élysée. Au nom de Jésus. Lève-toi, lève tes mains. Toi, tu iras à l'Élysée. Lève-toi. Tu vas aller à l'Élysée. Au nom de Jésus, tu vas aller à l'Élysée. Tu vas aller à l'Élysée. Il faut qu'on prie pour le président Macron au nom de Jésus. En fait, il y en a qui regardent et disent, mais parce que tu rêves. Attends, quand il va avoir des témoignages, tu comprendras si je rêve ou si j'ai eu l'intelligence de vision. Alléluia. Les montagnes démoniaques doivent tomber, les forteresses. Et Jésus dit, pour que ces forteresses tombent, il dit, si vous avez la foi comme un grain de senevé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi à la mer. Dieu ne te demande pas une grande foi. Toi qui dis, non, j'ai une petite foi. Dieu a justement besoin de ta petite foi, mais ta petite foi dans un grand Dieu. Le problème, ce n'est pas ta foi. Le problème, c'est en qui as-tu placé ta foi. Si, oh, la Bible dit, ayez les regards sur Jésus qui suscite la foi et qui l'amène à la perfection. Moi, je n'ai pas une grande foi, mais moi, j'ai une petite foi, mais dans un grand. Si tu as la foi comme un grain de senevé, tu diras à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer. Cela arrivera. J'aimerais te dire, à partir de maintenant, ne pleure plus. Commence à déclarer. Si tu es stérile, dis dans ses ventres, je vois des jumeaux. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, si tu n'as pas le travail, commence à déclarer, à partir de maintenant, j'ai le travail. Je dis par ta foi. Lorsque tu as la foi, tu dois déclarer. La Bible dit, j'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. Tu ne peux pas parler tant que tu n'as pas cru. Oh, quelqu'un ne m'a pas compris. Je parle que nous allons avoir une grande église. Je parle que nous allons avoir un grand projet. Je parle que ce projet va devenir réalité. J'appelle cela à l'existence. La chose arrive. Toutes les montagnes, je les fais tomber maintenant au nom de Jésus. Toutes les montagnes de vos vies maintenant tombent au nom de Jésus. Je les déclare dans ta vie, je le proclame. Je dis toutes les montagnes tombent. Oh, dans notre famille, on est liés, on a des liens, on ne peut pas faire 10 mètres. Si on fait 10 mètres en avant, on en fait 15 derrière. À partir d'aujourd'hui, les liens sont coupés. Troisièmement, la montagne symbolise les nations ennemies. Nous sommes dans Jérémie chapitre 51, verset 25. Et je termine là. Jérémie 51, 25. Dieu dit, j'en veux à toi, montagne de destruction. J'en veux à toi, montagne de destruction. Et dans la Bible, les montagnes symbolisent les nations, les autorités, les pouvoirs. Et laissez-moi vous dire, vous ne pouvez pas accéder à certaines dimensions tant que les autorités vous ferment la porte. C'est pour cela que Dieu, Paul dit, priez même pour les autorités de la ville, pour que vous puissiez mener une vie paisible. Et ce que nous n'avons pas souvent fait, nous ne prions pas pour nos mères. Et puis on est étonné que souvent les portes sont ouvertes, fermées. Prions pour les autorités. Prions. Parce que parmi ces autorités, même s'il y en a qui ne sont pas chrétiens,
Dieu va incliner leur cœur, comme il a incliné le cœur de Cyrus. Si vous lisez dans Ésaïe chapitre 44, il dira, il parle de Cyrus, « Cyrus est mon serviteur, je l'ai choisi et il accomplira toute ma volonté. » Un roi païen, mais Dieu l'appelle mon serviteur. C'est pourquoi ne condamnez pas les présidents, ah, c'est des francs-maçons, de ceci. Ce sont des serviteurs de Dieu. Amen. Je vous dis la vérité. Lisez Romains 13. Toute autorité vient de Dieu. Il n'y a pas d'autorité qui ne vienne de Dieu. En dépit de leur pratique, c'est Dieu qui les a placés là. Sinon, ils ne seraient pas là. C'est Dieu qui établit, c'est Dieu qui renverse. Est-ce que vous comprenez? Et lorsque vous avez devant vous ces autorités, ils vous empêchent. Et c'était le cas de Zorobabel. Le roi Artaxerxès s'était opposé avec les Samaritains pour qu'ils ne continuent pas l'œuvre. Il y avait un pouvoir, une opposition, une force militaire, politique et économique mise ensemble pour barrer la route. Oh, je déclare que pour cette église, aucune autorité va nous barrer la route au nom de Jésus. Non, au contraire, Dieu va incliner leur cœur. La Bible dit le cœur du roi est dans la main de l'Éternel comme un courant d'eau. Dieu l'incline où il veut. Oh, Dieu va incliner le cœur du roi en ta faveur. Dieu va te faire grâce. C'est pourquoi, toi qui as un dossier au niveau, non, dossier d'appartement, cette semaine, retourne. On va te donner. Oh, je veux un grand appartement. On va te donner. Au nom de Jésus. Tu reçois ça au nom de Jésus. Toi qui as un projet, je veux sortir peut-être de mon appartement. Je veux aller dans une maison. Dieu va t'aider à trouver au nom de Jésus. Seuls ceux qui disent Amen reçoivent. Ah, tu as dit en retard. La parole est passée. Tu veux que je répète cette parole? Ok. Je disais, tous ceux qui veulent avoir des propriétés. Y a-t-il des gens qui veulent devenir propriétaires ici? Je peux voir vos mains, s'il vous plaît? Est-ce que je peux voir vos mains? Qui veut? Ok, gloire à Dieu. Dis aujourd'hui c'est fait. Non, dis aujourd'hui c'est fait. Maintenant, attends juste le temps de Dieu, les choses vont commencer à s'ouvrir comme ça. Toutes seules, toutes seules. Amen. 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 Et ces montagnes se sont levées. Et quand Zorobabel regarde le roi, il regarde l'armée, il regarde l'État, il dit non, je n'y arriverai pas. Il est intimidé parce que ces montagnes amènent le découragement. Ces montagnes amènent l'intimidation. La peur, tu es comme tétanisé, tu ne sais plus avancer. Maintenant, c'est là que Dieu vient et dit, qui es-tu, grande montagne? Écoutez bien, Dieu parle à la montagne comme si la montagne était une personne. Mais quand vous allez en anglais, le même texte, en anglais, qui veut dire who? En parlant d'une personne. Mais dans ce texte, quand on dit, qui es-tu, grande montagne? On ne dit pas, who is the great mountain? On dit, what is the great mountain? Et quand on parle de what, on parle de la chose et de la fonction. En réalité, Dieu n'est pas impressionné par la nature de la montagne. Oh. Quelqu'un ne m'a pas bien compris. Dieu n'est pas intimidé par la nature de la montagne qui est devant toi. Mais Dieu chosifie la montagne. Dieu minimise. Dieu rabaisse. Parce que Dieu est en toi. Toi aussi tu dois commencer à rabaisser. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Et Dieu dit, tu seras aplani. La deuxième chose que nous voyons ici, Dieu n'explique pas la raison d'être de la montagne. Parce qu'il y a des gens qui veulent des explications dans les problèmes. Mon problème, ce n'est pas d'avoir des explications. Mon problème, c'est la solution. J'aimerais dire à une personne, tu n'auras pas d'explication. D'où vient mon problème? D'où vient ma maladie? À chaque fois qu'on demandait à Dieu, d'où vient ceci? Jésus agissait. Jésus n'est pas un parleur. Jésus est un acteur. Oh, je suis venu dire à quelqu'un, Dieu va agir dans ta vie. Il dit, il faut que je fasse tandis qu'il le joue les œuvres de celui qui m'a envoyé. Il faut que je fasse. Jésus travaille. Il dit, mon Père agit jusqu'à présent. Moi aussi. J'aimerais te dire, ton Père agit pour toi. Ton Père travaille pour toi jusqu'à présent. Lui aussi, il travaille pour toi. J'aimerais dire à quelqu'un, il va essuyer toutes tes larmes. Il dit, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Tu seras aplani. Est-ce que tu peux faire comme ça avec moi? Toutes mes montagnes sont aplanies. Oh, est-ce que tu peux le dire? Toutes mes montagnes sont aplanies. Toutes mes montagnes sont aplanies. Toutes mes montagnes sont aplanies. Et vous savez, par rapport à ce texte d'aplanir les montagnes, vous avez deux versets. Dans Ésaïe chapitre 41, versets 15 à 16, Dieu dit ceci. Voici, je fais de toi
un traîneau aigu. Dieu dit, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointes. Et Dieu dit, tu écraseras les montagnes. Tu broyeras les montagnes. As-tu déjà vu un homme broyer les montagnes? Oui. L'homme qui a le Saint-Esprit peut broyer les montagnes. Il dit, je ferai de toi un traîneau aigu. Tu broyeras les montagnes. Tu les écraseras et tu vas les aplanir. Ce n'est pas Jésus qui va le faire, mais le Saint-Esprit en toi va le faire. Tu vas les aplanir. Oh, je disais, tu vas les aplanir. Et tu les rendras semblables à de la balle. Et un vent va les balayer. Un vent va les balayer. Un vent va le balayer. C'est-à-dire, ton problème va devenir un témoignage. Quand le témoignage vient, c'est le vent qui balaye. Les témoignages, ce sont des vents qui balayent les problèmes, qui balayent les montagnes, qui balayent. Tu en parles au passé. J'aimerais te dire, il y a des choses qu'aujourd'hui ce sont des montagnes. Demain, ça sera des témoignages. Tu vas en parler au passé. Moi, hier, j'avais des problèmes. Mais aujourd'hui, c'est devenu du passé. Parce que je les ai balayés. Oh, je dis à quelqu'un, tu vas les balayer. Je dis à quelqu'un, ça sera derrière toi. Je dis à quelqu'un, tu vas les balayer. Tu vas les balayer. Et dans Ésaïe chapitre 40, c'était une prophétie qui parlait de Jean-Baptiste. À partir du verset 3, on dit, c'est ici la voix de celui qui crie dans le désert. Aplanissez les sentiers du Seigneur. La Bible dit que toute colline et que toute montagne soit abaissée. Oh, j'aimerais te dire, toutes les montagnes de la vie de spirituel, les problèmes, les difficultés, à cause du Saint-Esprit, ces montagnes vont commencer à s'abaisser. Ça va devenir comme une plaine. Oh, quand on monte la montagne, on est fatigué. Fatigué, épuisé. Mais lorsqu'on marche dans la plaine, oh, qu'est-ce que c'est doux de marcher dans la plaine. J'aimerais te dire, tu vas marcher dans ce lieu et t'as déjà étalé. Dieu a déjà étalé. C'est pourquoi il a dit ceci. C'est pourquoi il a dit, il posera la pierre principale au milieu des acclamations. C'est-à-dire, quand Dieu va commencer à agir, tu ne pourras que l'acclamer. C'est pourquoi, j'aimerais te donner un secret. Avant même que Dieu n'agisse, commence à acclamer. En fait, tu acclames avant qu'il n'agisse, ça contraint Dieu d'agir. Non, tu n'as pas bien compris. J'acclame déjà Dieu pour les grandes choses qu'il va faire demain. J'acclame déjà Dieu pour le projet de bâtiment. J'acclame déjà Dieu pour le mari qui te donne, la femme qui te donne. J'acclame déjà Dieu pour la réussite dans tes études. J'acclame déjà Dieu. Avant que Dieu n'ait agi, je commence déjà à l'acclamer. Avant que j'aie mes papiers, je commence déjà là. Je disais à quelqu'un, tu vas acclamer, et tu vas acclamer, et tu vas acclamer. Bon. Merci. Encore un peu de minutes. On est vers la fin. Merci. Thank you. Prenez place, s'il vous plaît. Il posera. Zorobabel, qui était affaibli hier. C'est pourquoi, si tu étais faible hier, je t'interdis de demeurer faible. Aujourd'hui, deviens fort. Le Seigneur te donne la force. Tu deviens fort. Je te dis, tu deviens fort. Je te dis, de la part de Dieu, tu deviens fort. Tu deviens fort. La force morale, spirituelle, physique, dans tous les domaines, tu deviens fort. Et la Bible dit, les mains, avant de parler de, il dit, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison, ses mains l'achèveront. J'aimerais te dire, ton Dieu n'est pas un Dieu des œuvres inachevées. À moins que ce ne soit pas Dieu qui ait commencé. Mais j'aimerais dire à une personne, si c'est Dieu qui a commencé, le même Dieu qui a commencé, il va achever. Il dit, ses mains ont fondé. Puisque cette église, Dieu me l'a fait commencer, j'aimerais vous dire, il va nous emmener là. Non seulement là, un déploiement dans toute la France, dans toute l'Europe et dans toutes les nations. C'est une parole prophétique. Que tu le crois ou pas, je crois déjà moi-même. Alléluia. Les mains ont commencé. Les mains qui ont commencé à t'utiliser dans la guérison. C'est les mêmes mains qui vont t'utiliser devant les stades. Quand tu seras devant les stades, tu vas voir 15 000, 30 000, 50 000 personnes. Tu verras des miracles extraordinaires. Des guérisons extraordinaires. Les mains. Quand on parle de mains, on voit les actions. Oh, je dis, tes actions vont s'achever. Dieu va achever. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu va achever. Et enfin, on dit, tout le monde verra le niveau dans la main de Zorobabel. Dis avec moi niveau. Dis avec moi niveau. Et je termine là. Dis-moi avec moi niveau.
Dieu va aller avec toi de niveau en niveau. Oh, je vois quelqu'un aller dans un autre niveau. Vous savez, le niveau, c'est quoi? C'est la mesure de comparaison par tes ennemis. En fait, le niveau signifie simplement l'accomplissement d'une promesse de Dieu dans ta vie, mais que l'ennemi remarque. Tu n'as pas bien compris. J'ai dit, tu n'as pas bien saisi. Il y a des moments où on reçoit des prophéties, mais il y a aussi des moments où les prophéties s'accomplissent. Mais quand je parle des niveaux, je parle de l'accomplissement. Joseph avait rêvé, mais quand ses frères ont vu les niveaux, ils ont vu l'accomplissement, ils se sont prosternés. J'aimerais te dire, les gens verront le niveau, les gens verront le niveau, les gens verront le niveau dans ta vie. Les mêmes qui t'ont humilié, les mêmes qui t'ont minimisé, les mêmes qui t'ont méprisé, les mêmes qui t'ont mis en arrière, les mêmes qui t'ont rejeté, c'est les mêmes qui vont voir les niveaux dans la main de l'Éternel pour ta vie. Ils te feront la guerre. Ils ne te vaincront jamais. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un, qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel? Même s'ils sont nombreux à te faire la guerre, je te dis, 1000 tomberont à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras jamais atteint. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Toute arme forgée contre toi sera sans effet. Si tu crois à cette parole, alors lève-toi et acclame très fort le Seigneur. Je disais, acclame très fort, acclame, 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 acclame. Acclame, 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 acclame. Je n'entends pas ton acclamation. Je n'entends pas ton acclamation. Je n'entends pas ton acclamation. Alors, ce matin, ça sera une prière de déclaration. Toi-même, tu vas déclarer. Nous sommes debout pour ceux qui le peuvent. Nos mains levées, déclare. Peu importe la montagne, je n'aimerais pas que tu regardes la taille de ta montagne. J'aimerais que tu regardes à l'Esprit de Dieu qui est capable de renverser ces montagnes. Et commence à prier, déclarer. Prie avec moi, élève ta voix, prie avec moi, prie avec moi. Élève ta voix et prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi. Prie avec moi, prie avec moi, prie avec moi. Élève ta voix, élève ta voix, élève ta voix. Le Seigneur est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, il est là. Charabro, charabo, sadaraba. Aucune montagne ne te résistera. Aucune montagne ne te résistera. Les problèmes fléchissent de genoux. Oh, toutes les difficultés s'arrêtent au nom de Jésus. Dieu t'amène dans une nouvelle dimension. Dieu t'amène dans un nouveau niveau. Ceux qui méprisaient le jour de faible commencement verront le niveau. Ils verront le niveau. Ceux qui t'ont méprisé verront le niveau. Ils verront le niveau. Je dis ils verront. Je dis ils verront. Je dis ils verront. Rababa shanda bababa. Je dis ils verront. Je dis ils verront. Prie, prie, prie. Prie avec moi. Déclare au nom de Jésus. Les montagnes tombent. Est-ce que c'est le célibat? Est-ce que quel problème qu'il y a devant toi? Déclare, ça tombe au nom de Jésus. Je dis, ça tombe au nom de Jésus. Déclare, déclare, déclare. Parle à la montagne. Parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Power. Oh, robo sokaya dabra katava shanda. Rekadabara sete reboko rabaya nabroto. Rondo bo sokoyo toroboko ya mama mama zidebro. Rondo robo sete reboko ya baba baba. Parle à ta montagne. Parle à ta montagne. Déclare au nom de Jésus. Roba shaka. Parle, parle encore, parle encore, parle encore. Parle encore, parle encore. Tu vas réussir. Je te dis, tu vas passer. Tu vas passer ce cap au nom de Jésus. Tu vas aller dans une autre phase au nom de Jésus. Les portes s'ouvrent dans ta vie au nom de Jésus. Je les déclare au nom de Jésus. Nous allons gagner davantage les âmes. Nous allons gagner davantage les âmes. Au nom de Jésus. Les forteresses tombent au nom de Jésus. Nous gagnons les âmes. Roboshaka. Alléluia. Alléluia. Alléluia.